gotta be born once I'm a feeling one televoda. Yeah, I'm a woman, I have a suit on the televoda. Téléspectateurs, ce soir, nous allons poursuivre avec l'histoire de Modou. Pour montrer que dans la vie, là où c'est dur, seuls les durs passent. La souffrance qui ne tue pas rend plus fort l'homme. Ce qui est étonnant dans l'histoire de Modou est que ce jeune homme n'a jamais tenté le suicide, le banditisme, le vol, le désertement, que des recherches d'emploi, du savoir, de la connaissance lui passionnaient. À 37 ans, un vent favorable s'annonce. Une organisation internationale lance un programme d'aide et d'assistance aux jeunes victimes de chômage, ayant un handicap, le baccalauréat ou un niveau équivalent. Et Modou répondait favorablement à ces trois critères. Parti en Afrique du Sud pour 3 ans, Modou revient au Sénégal et échelonne jusqu'à la hiérarchie de directeur général. Six ans après, il est reparti en Afrique du Sud pour faire une opération chirurgicale. Et l'handicap au niveau de sa main gauche disparaît complètement, ce qui lui redonne une morphologie normale, lui ouvrant la porte de signer un contrat aux Nations Unies pour 10 ans. Tenez-vous bien, vous serez surpris. De source sûre, Modou a finalement obtenu 13 villas dans des quartiers luxueux de la place, 8 véhicules de dernière génération, 2 sociétés commerciales,
et une somme exorbitante de 28 milliards à son compte. Un véritable héros. Hey. Modou. Téléspectateurs, notez bien que Modou est un véritable héros. L'histoire nous renseigne que dans la vie, il faut toujours souffrir pour sourire. Dans la vie, là où c'est dur, seuls les durs passent. Toujours faire face. Thank you.